Bonjour à tous, c'est Electric Card. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur World of Tank. Et c'est enfin un cadeau de World of Tank qui nous envoie, tout dépendant le nombre d'années que vous avez joué. Moi, je suis rendu à 10 ans. Donc, ça fait longtemps que je joue à World of Tank. Donc, ils nous ont donné un VK 28.01. MIT 10,5 cm L28. Le VK2801 existe déjà, mais ou c'est le retour, je devrais dire peut-être, parce que je pense qu'il. Mais je vais vous dire, c'est pas le genre. C'est un light tank, mais c'est pas le genre de light tank que je vais aimer. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le gun, mais on va l'essayer quand même, voir ce que ça donne. Je vais vous montrer aussi, on a eu des choses spéciales que je vais vous montrer. J'ai eu des cadeaux, beaucoup de choses. On a eu de l'argent, on a eu des icônes spéciaux qui vont servir à vous payer des choses intéressantes. Moi, ce que j'ai fait avec l'équipement comme ça ici. J'avais 10, je n'avais 10. Donc, des tokens, ils appellent ça. Donc, j'ai utilisé un token, mais je suis allé chercher, j'ai décidé d'aller chercher un loading system, un système de chargement plus rapide. Ensuite, on avait aussi des skins extérieurs de certains tanks qui ne m'intéressaient pas du tout. Ensuite, ok, c'était là qui était le plus intéressant. Il y avait de l'argent. C'était quand même, si on regarde, là, 300 000 crédits du jeu normal, là, le crédit du jeu. Ensuite, on pouvait aller chercher des bombes. Moi, je suis allé me chercher 500 bombes. Je suis allé m'en chercher une fois. Ensuite, je suis allé me chercher deux fois des crédits comme ça, et une fois donc les mais encore choisissez ce que vous allez préférer. Donc j'ai été chercher de l'argent, j'ai été chercher un équipement intéressant. Donc je garde à un parce que je veux quand même tester, voir si on va la prochaine année on va l'avoir encore. Donc je vais voir si on va l'avoir tout le temps. C'est un test que je fais là. Mais donc c'est quand même intéressant. On a eu ça, on a eu d'autres choses aussi. J'ai eu un skin que j'ai mis sur le tank que je joue plus souvent dernièrement, c'est le T95, la même couleur que l'année passée. C'est ça que je trouve dommage, parce qu'on peut pas faire la différence avec les couleurs. Quelqu'un pourrait avoir cette couleur-là puis dira ah, c'est celui de l'année précédente. Sauf que moi j'ai vraiment 10 ans on board, qui n'est pas 10 years on board, donc 10 ans de jeu. C'est vrai que j'ai pas joué pendant 10 ans parce que j'ai arrêté deux fois, j'ai arrêté un bout de temps, mais je reviens tout le temps à World of Tanks, j'aime trop ce jeu-là. Donc, on va commencer par checker le tank. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est un tank quand même intéressant, mais moi c'est pas le genre de gun que j'aime. Si je regarde dans les recherches, c'est un premium. On peut envoyer nos équipages allemands de tank light tank dessus. Et c'est le gun. On a juste un choix de gun et c'est un derp. Un gun avec une très basse pénétration, mais avec un très fort dommage. C'est le genre de gun que j'aime pas trop. Mais on va l'essayer quand même, voir ce que ça donne. C'est un light tank, mais on peut le jouer comme light tank. Mais on peut jouer. Il y a du monde qui joue ce qu'on a médium. C'est bizarre, mais beaucoup de monde joue comme si c'était un médium. Ben, avec le canon qui donne quand même 350 de dommages, beaucoup de monde le joue comme ça. Donc, c'est un tank, c'est sûr, qui va vous donner plus d'XP, plus de crédit.
plus rapidement. Donc, c'est sûr que c'est un tank premium, hein. Et vous allez pouvoir monter vos équipages. Moi, j'en ai pas d'équipage. Ça, c'est quelque chose aussi qui... J'ai joué beaucoup un certain... Oh, pas ça. Oui, je vais le mettre comme ça avec le Allemand. Allemand, Allemand. J'ai le Toldy, que je joue plus du tout en plus. Mais j'ai beaucoup joué avec un certain tank, Light Tank allemand, que je joue plus du tout. J'étais tanné de la capacité. En tout cas, c'était le canon que j'aimais pas, donc je l'avais vendu. Mais j'ai pas l'intention de monter les Light Tank allemands. Donc ça fait rien. On va quand même le tester. Je vais prendre l'équipage qu'ils m'ont envoyé. Parce que vraiment, l'équipage que j'avais sur l'autre Light Tank, je l'ai mis dans d'autres tanks, dans des EV tanks ou des TD. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pas le choix de le commander. On va commencer. Moi, je vais mettre vraiment en partant. On va mettre sixième sens. Là, on a vraiment besoin de ça. Et je vais vous dire, on va aller tout de suite le monter avec un livre. Mais avant, on va vraiment choisir. Donc, un light tank, ok? Qu'est-ce qui est le mieux pour un light tank dans les compétences de l'équipage? C'est surtout le camouflage, ok? Et la vue et la mobilité, je dirais. Donc, on va quand même y aller pour le camouflage. Je pense que ça va être ça vraiment que je vais mettre. Ok, on va mettre camouflage. Ensuite, on va faire ça. Mais je vais checker quand même les compétences pour les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi qui serait intéressant? On va mettre vraiment, je pense, camouflage en partant pour se donner une chance là. J'aurai pas trop un bon équipage pour commencer, ça c'est plus frustrant un peu. On va quand même, je vais quand même j'aurais pu prendre le Extend View Range par exemple, ça par exemple j'aurais pu le prendre. La prochaine fois on le prendra. Comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ok. C'est vrai que j'ai oublié, je voulais jouer un peu comme un médium. En tout cas, si je décide, j'aime mieux avoir le camouflage quand même. Donc, on va aller maintenant pour... je voulais voir les munitions. Le standard me donne 64 de pénétration. Avec 262 de dommages minimum. Si je regarde les golds, la PCR, on peut dire, ce qu'il me donne, il me donne 104 de pénétration. Oh, quand même. Et si je regarde celui-ci, SPRGR, ça me donne 53, il me donne 307 de dommages minimum. Ok. Que je vais faire par exemple. On va enlever l'auto supply parce que je vais quand même utiliser ceux qu'ils m'ont donné. Mais à mon avis, je vais mettre plus d'explosifs anti-tank. Quand même, si je regarde là, la pénétration à 104, je trouve qu'elle est mieux. On fait moins de dommages. Non, c'est le même dommage. C'est peut-être la vélocité de l'obus qui va être moins grande. Donc, au flash, méfie. On va quand même la tester plus tard. En ce moment, à 53, c'est pas terrible, à 410. Donc, celle-ci, la haie explosive, pourrait servir pour les artis ou si vous êtes vraiment
vous tirez sur un tank sur le côté. Ça serait vraiment le mieux. Donc, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va mettre de l'équipement dessus. Pour l'équipement, on va tout de suite aller voir le bonus qu'on pourrait avoir si on mettra un équipement spécial. J'aurais aimé avoir l'optique pour voir plus loin. Pas le binocle parce que je vois souvent bouger, donc ok, on va, je pense que je vais l'acheter. Donc on va acheter cet équipement là et je vais, au pire des cas, je vais pouvoir le réutiliser sur un autre tank. Et ensuite, on va utiliser sûrement un fouloir canon. Ici, je n'en ai pas non plus. Ouf, ça va me coûter cher. Et ici, on va utiliser la ventilation sur main. À moins que j'aurais un autre équipement qui est plus intéressant pour moi. On va mettre la ventilation parce que mon équipage n'est pas terrible non plus. Donc, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va mettre accélération. Non, on va le laisser quand même comme ça parce qu'on peut peut-être aller chercher des bonus en juin aussi qui vont peut-être être plus intéressants pour moi. Donc, pour tout de suite, on va laisser tomber ça. On va aller au garage. Ok. Là, on va entraîner. Je veux vraiment entraîner mon officier pour qu'il tombe à 100% la détection. Ça serait bien. Donc, on va aller tout de suite voir les crewbooks si j'aurais pas de quoi d'intéressant. Qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai 850 d'expérience, mais je vais le garder pour un autre tank, ça c'est certain. Universel manuel. Donc on va utiliser lui, je pense. Ok, 20 000, il me donne juste 1%. Ce sera pas suffisant. On va vraiment aller avec encore un universel. Comme ça. Ok. Donc là, au moins, mon équipage, je vais pouvoir être détecté. Savoir si je suis détecté. Donc, là, on va aller voir si je peux aller pour la détection. Increase maximum range, ça serait bien, mais je pense que je vais mettre mentor pour. Ça augmente, mais de beaucoup même, on devrait dire. Je pense que oui, on va mettre ça pour détecter plus facilement. Et ensuite, on va mettre mentor, je crois, ou brother in arms. J'ai aussi, c'est vrai, j'ai lui que j'ai pas pris. On va le prendre. Comme ça. Ok. Donc, les prochains. Ça, je trouve ça intéressant. Là. Ça peut beaucoup aider. La Dead Eye, j'aime bien. Là. Ce que ça fait, c'est que vous avez une chance sur deux de détruire, en tout cas, avoir des dommages sur le module des véhicules ennemis ou sur l'équipage ennemi. Donc, ça peut être vraiment intéressant.
Je pense qu'on va prendre ça. On peut encore. On va prendre brûleur une arme. C'est un tank quand même assez rapide, donc je pense j'aurais peut-être pris off-road driving, mais je pense que je suis plus intéressé par smooth ride. C'est pour ce que ça fait, c'est que même si vous bougez, votre réticule, votre visée, autrement dit, elle reste petite. Donc je pense que oui, on va prendre ça. Ensuite, on va prendre Brother in Arms parce que j'ai pris ça pour les autres, donc je vais vraiment l'avoir plus tard. On va tout de suite le mettre comme ça. Ensuite, Extend View Range, encore quelque chose pour aller voir plus loin. On va vraiment l'augmenter ça là. Et je vais prendre Brother in Arms. Et notre dernier. Mettre réparation. Ok. Ok, notre équipage est prêt. Ensuite, on va se mettre de l'équipement aussi. Moi, j'ai l'habitude de mettre un small kit pour soigner si on a besoin. Non, ici, le 4, d'habitude, je mets l'inspecteur. Manuel inspecteur. Ensuite, on se met un kit de réparation, le small pour tout de suite. On va voir ce que ça donne plus tard. Et le small aid. Comme ça. Ok. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne. J'ai-tu oublié quelque chose? Oui, l'extérieur. On va se mettre de quoi? Un camouflage. On va prendre un pre-style. J'ai pas envie de niaiser dans toutes les. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Quand même bien celui-là. On va prendre lui. Ça va faire différent. J'ai jamais essayé celui-là. Donc, ça y est. On a ce qu'il faut. Donc, on est prêt. On va y aller. J'espère que j'oublie rien. On va le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on va y aller. On va faire un combat ou deux ou trois même. On va voir ce que ça donne. J'espère juste que ça va bien aller. Parce que des fois je fais des vidéos puis on fait des games pas trop bonnes. Donc là, on va essayer de voir si tout est correct.
Je mettrai pas de boost parce que ça se peut que je joue moins longtemps que prévu. Ok, il y a beaucoup de monde qui joue ce tank-là. Il y en a 4 de l'autre côté. Et de notre côté, on est 5. Je crois que mon but, ça va être de monter en F3 le plus rapidement possible. En poncer par le bas. Ok, je voulais y aller, mais là, ils sont tous allés là, donc... En fait, tu démarres par spotting, mais pas beaucoup. On va y aller. On l'a eu facilement. Là, on vient de détecter le KV2. Je pense qu'on va aller s'en occuper. On ne s'est rien fait. Comme vous pouvez voir de face, ce gun-là est pourri. Là, ce que je vais faire, par exemple, on va monter en haut. On va essayer de se placer pour vraiment faire du dommage à l'ennemi. Et ok, il y a un tank là, mais je le vois pas. Il va être caché derrière une roche. Allez, refuge tire vraiment avant. On s'est fait détecter. On va se méfier pareil s'il y en a qui arrivent de ce côté-là, mais je pense pas parce que là on est en train de gagner ce sac côté-là. STRV est vraiment caché derrière. Ici. Le VK est caché aussi derrière. On l'a eu, j'aura 2 kills. Ça apparaît tout le temps, ça. Foncer parce qu'on a vraiment on est en vie et puis on a beaucoup de on va foncer là.
Ah, on n'a pas eu le temps. Ok. J'ai quand même deux destructions. On va voir. Je pense pas que je vais être assez haut. Comme premier essai, c'est pas concluant à mon avis. J'ai pas trop réussi à... Comme vous pouvez voir là, il y avait déjà des tanks qui étaient positionnés pour monter en haut où je voulais aller. J'aurais peut-être dû passer par l'autre côté, puis les intercepter par l'autre côté. Parce que surtout quand il y a beaucoup de tanks rapides comme nous, peut-être qu'on aurait dû... je pense qu'on va mettre ça là-dessus. Ah, oh, c'est ça, je suis dans le milieu. L'équipe adverse n'était pas forte. Parce que là, on n'a eu que 3 destructions de notre côté. Même pas 2 destructions. 3. Donc, ouf. Donc, on va aller voir par exemple pour. Je dois être capable de. 3500, j'étais à 4000. On va. On va attendre pour le prochain. Là, on a comme débarré le deuxième que je me sers jamais, on va vous dire. Là. Je me sers jamais de ça. OK. On va continuer. On va faire une autre partie. À 20, par exemple. Je vais aller aux munitions. Et puis, j'ai pris que du standard. Donc, on va payer. Voilà. Il dit j'ai pas assez de munitions parce que j'ai le deuxième système que je me sers jamais pour changer comme mettre deux configurations pour un tank. Oh, intéressant. Ok, intéressant, intéressant. Soit que je vois complètement au sud. Non. On va passer par la ligne 1. Ouf, vous avez-tu vu le nombre de joueurs qui jouent ce genre de tank? On va aller en C. On va se cacher derrière une butte. On va voir ce que ça donne.
dommage, il était vraiment à la vue. Là. Ce que j'aimerais, c'est qu'il recule, lui, là. Mais ça arrivera pas. La précision de ce canon est pas très bonne, va vous dire, là. Là, il m'a vu. À longue distance, là, c'est pas extraordinaire. Oh. C'est... On l'a eu. En ce moment, notre équipe a de la difficulté. Beaucoup de difficulté. Oh! On a reçu le shot. OK. T-34, qu'on voit pas. Je vais essayer de me repositionner. C'est pas gagné, hein, pour vous dire là. C'est pas gagné. Je pense que je devrais peut-être aller pour l'artie. Débarrasser tout de suite de l'artie. Parce qu'il pourrait causer problème. Moment, là. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ach, der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. De ce tank-là qui était pas là. Il n'y a rien de pire dans un jeu quand les joueurs sont pas dans le jeu. Donc, on n'ira pas sur le cap. Je veux pas. Ils sont en train de capturer la base. Ils nous attendent. Bien sûr, on a dû m'en douter.
Alors, je pense qu'il il capte, puis en même temps, il s'attendait à me voir arriver pour sauver la base. C'est ce que j'ai pas fait, donc il y en a un qui reste sur le cap. J'aurais perdu la game, mais j'ai quand même. Je pense que j'ai joué quand même une belle game, mais j'ai 3 destructions. J'ai bien fait d'aller chercher l'arty. À 3 contre 1, je pense que j'aurais pas eu beaucoup de chance. Surtout que s'il y avait des light tanks encore. Un light tank, un médium, puis un heavy tank, ça aurait été compliqué. S'il n'y aurait pas eu de light tank, oui, j'aurais peut-être eu une chance. J'aurais pu détecter, puis faire du dommage, mais là. Troisième, je m'en doutais avec les 3 destructions, là. À date. Intéressant. Je vais vous dire, là, je trouve ça. J'ai trouvé le, je trouve le tank intéressant. Donc. Oui. Intéressant. Je pense qu'on va faire l'auto-supply. Là, parce que j'utilise très rarement l'autre munition. Peut-être même que je devrais. Le mettre à 15. Puis je vais remonter celui-là. Ok, on va voir si je suis capable de faire mieux. Je commence à le maîtriser un peu mieux, là, je pense. Donc. Ouh, ça a été rapide. Il y a un peu de tier 6. Donc, on va se ramasser contre des tier 5. Ça va être intéressant. L'autre côté, on a un Churchill, un Tug. Ok. PZ4. Ok. C'est le M10 RBFM qu'il faut se méfier parce qu'il peut voir très loin. Et en plus, il peut être camouflé. Je devrais dire extrêmement camouflé. On va aller au château. Essayer de se placer pour voir si je suis capable de. Là, tout le monde va de ce côté-là. Là, ça va être un combat. Là, il n'y a pas beaucoup de. De VK, je pense. De l'autre côté, il n'y en a pas. Bon, c'est intéressant. Un game qu'on n'a pas beaucoup de VK. Un mix qui s'emmène. Comme vous pouvez voir, là, ce tank-là va faire très mal. Il fait très mal. Il va revenir là. Non. Er ging voll durch ihre Panzerung. Ok, ils foncent tout sur moi là. Je suis tout seul, c'est ça le problème. Ils viennent me chercher. Ok. J'aurais dû faire SOS pour qu'il y en ait qui viennent avec moi, mais là, en ce moment. Ils sont tous sur la. On va se faire avoir là.
sont trop cachés ou la butte, si il y en a trop. Trop de monde sur la butte. Donc je vais attendre qu'ils reviennent. Puis on va s'essayer encore. J'aurais dû me repositionner plus loin. Ok. Ok, le temps qui est revenu, on va pouvoir voir. Ça n'a pas trop bien été quand même. On va voir ce que ça donne. Vraiment quasiment à la traîne. Ça m'aurait pris une shot de plus. Donc ce tank là, faut se méfier. Si vous êtes seul, restez pas là. C'est ça que je me dis là, parce que j'aurais dû y penser qu'il allait me foncer dessus. Surtout tout le monde sait que de face, ils peuvent survivre à mes tirs. Comparé à... Ouf, 2 tiers 7. Oh, ça va être un test difficile. Ça va être difficile comme test. Il y en a un de l'autre côté. Faire un peu de détection, je vais revenir par ici et puis on va voir ce que ça donne, mais 60 km/h, 61, 63, la vitesse est super.
Ouh, ok. La pire, ça a été très forte. Ils ont poussé la ligne complètement de l'autre côté. Je m'en attendais pas. Pour de vrai, là. Je suis pas satisfait, donc je vais sûrement jouer un autre. Fait que je vais mettre sur pause le temps qu'il revienne. Ok, le temps qui est revenu. Et puis ça n'a pas été terrible mon histoire encore. Donc deux games d'affilée, j'ai eu beaucoup de difficultés. On va aller en faire une autre. Faut pas trop foncer, mais en même temps, il faut se tenir peut-être avec d'autres tanks. C'est peut-être ça mon problème. Les deux dernières games, j'étais trop tout seul. Donc, j'ai voulu aller aider la dernière game, puis ça me causait un problème. Donc, j'aurais peut-être dû pas aller aider les tanks à nous, mais encore. Hey, là, on a du tiers 8. Ouf. Ok. C'est pas une carte où on peut se cacher en plus. Ah, je vais passer sur main. Si on avait eu des EV-Tanks, que des EV-Tanks tier 6, j'aurais peut-être été du côté des EV-Tanks dans la ligne K, mais là, je pense pas que je vais aller là.
Wow, c'est dur. Je savais que ça allait être compliqué. C'est pas le genre de tank que j'apprécie jouer. Juste le fait que c'est pas le genre de tank que j'aime quand il faut foncer, il faut essayer de s'approcher de l'ennemi parce que notre canon est pas assez puissant à longue distance, on pas assez précis à longue distance. Faut vraiment que le tank ennemi ne bouge pas pour vous. Vous ayez une chance de le toucher correctement. Et même s'il bouge pas, il va avoir. Le problème, c'est qu'il va avoir une chance que vous le. Ça rentre même pas. Donc, à longue distance, de face, un tank va survivre assez facilement contre vous. Si vous touchez la cible, c'est que vous allez être chanceux. Donc, il faut s'approcher de l'ennemi. Et ça, c'est pas le genre de jeu avec un light tank que j'adore. J'aime pas ça du tout. C'est dommage parce que dans les derniers tanks qu'on avait eu gratuitement, on avait eu le Super L4, le Super Pershing. Non, on va aller voir tout de suite. Mais on avait eu trois intéressants qui étaient vraiment bien. Celui-là, je trouve que il aurait dû nous donner le choix entre deux canons. Ça aurait peut-être été mieux, même. Mais peut-être qu'il faudrait que je l'essaye vraiment comme un light tank, donc caché d'un buisson, puis d'attendre, mais je trouve pas que c'est. Ça va être. Il est fait pour tirer ses côtés, mais. Faut vraiment flanquer, et c'est compliqué. Moi, je suis plus du genre à bloquer les tirs ennemis et tout ça. Donc. Oh, ok. Donc, c'est difficile. Si on regarde les tanks que je vous parlais, on a eu, si on regarde dans les tiers 5, on a eu le. On avait eu un M10 RBFM, mais je suis pas certain si c'était un tank pour les nombres d'années. Lui, je l'ai aimé. Le Valiant, je l'ai aimé. Le Valiant, c'est un tank comme j'aime les jouer. C'est sûr qu'il n'est pas rapide, mais très blindé. Dans les tiers 6. Le Super Chaffee, qui lui, je l'ai aimé. Et j'ai même 2 étoiles sur le canon. Donc c'est un de mes tanks que je maîtrise le mieux comme celui-là. Ensuite, on a eu aussi le T-52, qui a été quand même très bien. Je le trouve quand même bien. Mais je ne joue pas trop souvent, mais c'est un bon tank. Mais c'est pas un de mes tanks favoris. Pour de vrai, c'est vrai. Et on a les tiers 7. Le Super L4. Que j'aime bien aussi. Mais c'est un tank vraiment un TD. Il faut se cacher. Donc, il y a quand même eu des tanks intéressants. Mais je trouve que celui-ci. Il y a vraiment un manque, je sais pas. J'ai de la difficulté avec le VK 2801. C'est pas ça que je voulais voir. Ce que je voulais voir, c'est les. Ok, il va revenir lui-là. Ok. Donc, une victoire. Pour avoir des victoires, par exemple, c'est un bon tank, là. On va utiliser ça même si j'ai pas une bonne game. Regardez, je suis encore dans. Je suis pas trop. Il faudrait être dans 3, 4, 5 premiers pour dire que ça ait de l'allure. À date, dans les games que j'ai joué avec, j'étais quand même 4244 de cote en 5 parties. Ouais, c'est quand même intéressant de voir ça. Mais c'est pas un tank que j'aime beaucoup jouer, donc je sais pas. Peut-être je vais le réessayer. Si jamais j'ai une bonne game, je vais vous le montrer. Mais
Non, c'est pas un tank que je vais apprécier, je pense. Du point de vue du canon. Mais quand même, de temps en temps, peut-être le jouer de temps en temps. Je vais peut-être le jouer de temps en temps, mais c'est. Je sais pas. J'ai de la difficulté avec. Donc, j'espère que vous appréciez ma vidéo, même si mes games n'ont pas été extraordinaires. Mais c'était pour vous montrer vraiment ce tank-là. C'est sûr que c'est un tank fragile. Hein? C'est un light tank, facile, pas beaucoup de blindage. Le canon, je dirais pas exceptionnel, mais beaucoup de dommages, le canon. Un gros canon avec des qui donne du dommage, mais qui ne perce pas grand-chose. Donc, de face. Donc, c'est ça le problème. Et rapide, par exemple. C'est vrai qu'il est rapide. On devrait peut-être plus se servir de sa vitesse que penser de se servir de canon en premier lieu. Donc, c'est Electric Card qui va vous dire à plus et bon combat. Bye.